Quand on a des élèves aujourd'hui qui, à 6, 7, 8 ans, ne sont pas capables d'acquérir les bases du calcul, de la lecture et de l'écriture, bah, je suis désolée, on récupère des heures de langue vivante. Tant pis pour la culture. Non, mais les professeurs, d'ailleurs, sont en grève aujourd'hui. Est-ce que eux aussi, vous les soutenez ? Il faut voir les revendications qu'il y a derrière. Mais moi, je soutiens en tout cas l'idée d'une réforme profonde de l'éducation nationale qui n'est pas seulement la question de l'uniforme. Je pense que ça, c'est important. Mais c'est qu'un des points parmi les très nombreux. Moi, je veux qu'on ait la fin du collège unique, par exemple. Je veux qu'on ait un vrai retour sur les fondamentaux en primaire. Mais ça veut dire concrètement... Tout ça, c'est ce que Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, défendait. Ils ne le font pas depuis 7 ans. Ça veut dire que si on remet les savoirs fondamentaux en primaire, il y a des conséquences très concrètes. Ça veut dire qu'on ne fait plus que des maths et du français, de l'histoire de géo. On ne fait plus d'art plastique, on ne fait plus de technologie, on ne fait plus d'art plastique, on ne fait plus de langue vivante. On ne fait pas théâtre. Il y a des choix, en fait, à un moment donné.